Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Ça tient la route, votre émission de sécurité et de sensibilisation routière réalisée cette semaine dans la wilaya de Slogan « Conduisez prudemment pour plus de sécurité et évitez tout danger », une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière a été initiée par le groupement de la Gendarmerie nationale de Bouira. Cette initiative, qui s'étalera jusqu'au 15 janvier 2023, a pour but de sensibiliser les usagers de la route sur la gravité des accidents de la route durant la saison hivernale. Les services de la gendarmerie nationale ont mobilisé les moyens pour la réussite de cette campagne. Avec la participation des autres acteurs comme la DGSN et la protection civile, nous visons durant ce mois à sensibiliser les automobilistes quant aux conséquences de la conduite dangereuse. La gendarmerie nationale mettant fin à la disposition de tous les automobilistes son numéro vert, à savoir le 10-55. Elle est censée également dissuader les jeunes automobilistes quant à la conduite dangereuse, particulièrement les excès de vitesse et du non-respect de la distance de sécurité, ainsi que les dépassements dangereux. Entre le 1er janvier et jusqu'au 15 décembre 2022, les services de la protection civile ont enregistré 1652 accidents de la route, causant 1235 blessés et 53 morts, hélas. À travers cette campagne, des conseils et des pliants sont prévus pour réduire le nombre d'accidents. القيادة بعقلانية والتحلي بروح المسؤولية من أجل تفادي حوادث المرور. J'appelle les conducteurs à faire preuve de prudence. Il est aussi recommandé de vérifier sa voiture, notamment l'état des roues, pendant l'hiver. Cette campagne porte également sur la nécessité de vérifier les roues et les essuie-glaces de la voiture. Des dépliants sur les règles de bonne conduite et les conséquences de l'excès de vitesse sont distribués pendant cette campagne de sensibilisation. Le tronçon de Djebahia est l'un des points noirs de la wilaya de Bouira. Il est surnommé depuis quelques années la route de la mort. Les accidents sont très fréquents à ce niveau. Depuis 4 mois, les autorités locales de la wilaya de Bouira ont décidé de dévier les véhicules poids lourds de l'autoroute Est-Ouest vers la route nationale numéro 5, vers la descente de Djebahia. Cette décision temporaire a eu des retombées positives sur le nombre d'accidents de la circulation enregistrés sur cet axe routier. Depuis la décision de dévier les poids lourds vers la route nationale 5, nos services ont enregistré un mort et 10 blessés.
soit une baisse de 58% du nombre d'accidents de la route constatés l'année dernière à la même période. À ce titre, nous appelons les automobilistes à faire preuve de prudence et à respecter le code de la route. Il s'agit là d'une mesure d'urgence qui entre dans le cadre de la lutte contre les accidents récurrents survenus sur ce tronçon routier. Cette déviation laisse ainsi le temps au service de l'Algérienne des autoroutes, ADA, d'exécuter les travaux de réaménagement de la chaussée dangereusement dégradée. L'Algérienne des autoroutes a eu à recourir à des travaux supplémentaires sur, le trésor public, financé par le trésor public, malheureusement, pour reprendre toutes ces déformations ornières, techniquement parlant, au niveau du Bahia, causées par des poids lourds qui ne respectent pas les règles fixées par la loi, notamment en termes de marchandises et de poids, et pour lesquels on a enregistré malheureusement plusieurs accidents au niveau du tronçon de Bruyral del Bahia, et qu'actuellement, on peut dire que les travaux de reprise sont presque achevés, et l'on s'achemine bientôt vers une réouverture de ce tronçon, bien sûr en s'assurant de mettre en place plus de mesures restrictives et coercitives face à un petit peu le non-respect et l'infraction causée par certains conducteurs. Même si l'état des routes est l'une des causes, le nombre d'accidents survenus en ce lieu implique aussi et surtout les camions et les semi-remorques. انا لو كان نعت لك البرميت 42 سنه سيمي وما عندي حتى حاجه هكذا صحاب الطوموبيلات ما يحترموش واخرين صحاب السيمي ثاني كيف كيف قلت صراحه اللي عنده عقل هاو يمشي قد قد مع القانون اللي ما عندوش عقل هاك تعرفي. Pour garantir le respect de cette mesure par les poids lourds, les services de la gendarmerie nationale sont présents sur cet axe routier quotidiennement. Mais cela n'empêche pas certains chauffeurs d'emprunter l'autoroute Est-Ouest, comme c'est le cas ici. Selon les services de la gendarmerie nationale de la wilaya de Bouira, le non-respect de cette déviation par le lourd le contraint à une contravention de 5000 dinars. Il est important de souligner que la détérioration rapide de la chaussée dans cette partie de l'autoroute est due essentiellement à l'excès des camions de gros tonnage. Les travaux ont commencé il y a quelques années. Les gares de péage sur l'autoroute Est-Ouest sont presque achevées. Au total, 55 agences de péage seront mises en service dans quelques mois. On vous en dit plus dans ce reportage. L'usage quotidien de l'autoroute Est-Ouest, particulièrement par les poids lourds, a mené à la dégradation de certaines parties de cet ouvrage. À cet effet, et pour assurer le financement de l'entretien de cette autoroute et garantir un confort à l'usager, des agences de péage seront bientôt mises en service tout au long de l'autoroute Est-Ouest. Pour ce qui concerne de la mise en place du système de péage, l'Algérienne des autoroutes s'insère dans une démarche de réaliser des gares de péage aux normes internationales, notamment dans l'équipement de ces gares avec des équipements, de haute technologie. Centre,
qui s'étend donc de la wilaya de Chlef jusqu'à la limite de wilaya, la limite est de wilaya de Bouira, sur un linéaire total de 400 km. Donc le long de ce tronçon, nous avons 7 centres d'entretien et d'exploitation et 22 postes de péage entre gare de péage et barrière à plein voie. Le taux d'avancement global de la réalisation de ces équipements-là et des gares de péage a atteint un taux de 90%. Ici à Bouira, les travaux de cette gare de péage sont achevés. Restent les équipements nécessaires pour sa mise en exploitation. En ce qui concerne la wilaya de Bouira, donc sur ce tronçon, nous avons deux centres d'entretien au niveau de Djebahia, et c'est d'ailleurs le point de raccordement avec la pénétrante de Tizi Ouzou, et un centre d'entretien d'Ahnif, également c'est un point de raccordement avec la pénétrante de Béjaïa. Plus six gares de péage sur échangeur, et les taux d'avancement au niveau de la wilaya de Bouira a atteint 90%. Interrogé sur la fluidité de la circulation au niveau des gares de péage dès leur mise en service, le représentant de l'Algérienne des autoroutes répond. L'Algérienne des autoroutes, s'appuyant sur des bureaux d'études renommés internationales et aussi sur la compétence acquise par son encadrement technique, bien sûr, a mis en place toute une stratégie qui vise à accompagner cette mise à péage, notamment à travers, bien sûr, une étude de trafic qui a permis de dimensionner ces gares de péage et permettre et assurer ainsi une fluidité totale au niveau des gares de péage. Bien sûr, aussi avec une réservation de voies pour le paiement monétique et des voies aussi dédiées au paiement par carte et des voies aussi qui sont dédiées principalement au télépéage, ce mode moderne qui est utilisé outre-mer et qui permettra un passage confortable et sans arrêt au niveau d'une gare de péage. Il faut savoir que le système de péage à travers l'autoroute Est-Ouest devra assurer les revenus nécessaires à l'entretien et à la maintenance de cette infrastructure routière. Ces recettes de péage serviront essentiellement à assurer l'entretien de l'autoroute Est-Ouest et sa maintenance, notamment pour laquelle on enregistre, des travaux d'amélioration. Et aussi, elle nous permettra de moderniser son réseau du moment aussi que la gestion, l'exploitation et la maintenance de réseaux autoroutiers de par le monde connaît, de nouveaux outils que l'Algérien des autoroutes compte acquérir aussi pour améliorer le déplacement des usagers et surtout le sécuriser. Concernant les tarifs qui seront appliqués, une commission multisectorielle chargée de la mise en service du système de péage étudiera ce volet.